Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag, ou plutôt re-bienvenue quelques minutes après avoir sorti la vidéo Dog News version longue autour du remake de The Last of Us qui est en cours de développement chez Naughty Dog. On revient, puisque le temps de faire l'article et la vidéo, une autre affaire est sortie sur le net. Naughty Dog travaille officiellement sur un jeu multijoueur et il y a potentiellement un nouvel Uncharted qui est également en cours de développement. Tout part de l'article de Jason Schreier qui a été partagé par l'insider Nibel, et dans l'un de ses tweets, l'insider est plutôt catégorique où il confirme qu'il y a un nouvel Uncharted, puisqu'il tweet « Il y a aussi un nouveau Uncharted en développement par Naughty Dog qu'une équipe de Bend Studio a dû aider jusqu'à ce qu'ils craignent d'être absorbés par Naughty Dog et demandent à être retirés du projet. Ils travaillent maintenant sur leur propre jeu. » Un tweet qui semble être affirmatif sur le fait qu'un nouvel Uncharted est en cours de développement, mais Jason Schreier a répondu en essayant de nuancer les propos en disant qu'il ne savait pas si le jeu en question, donc c'est le nouvel opus d'Uncharted, est toujours en développement, car il était précisément dans les plans de Bend Studio et que Naughty Dog devait simplement les aider. Du coup, on ne sait pas si le jeu Uncharted est toujours en développement ou s'il a été annulé au moment où Bend Studio s'est retiré du projet. Petit rappel, Bend Studio, c'est les développeurs de Days Gone et malheureusement, Sony leur a refusé le développement de Days Gone 2 pour le développement du nouvel Uncharted. Et de peur d'être absorbés et de voir leur studio fusionner avec Naughty Dog, les équipes de Bend Studio ont préféré tout annuler pour rester totalement indépendants et on ne sait pas si leur nouveau jeu en cours de développement est Days Gone 2 ou non. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que Jason Schreier s'est amusé à répondre à plusieurs questions, notamment à la question d'un internaute qui lui demande si le jeu en multijoueur, qui était également une collaboration entre Naughty Dog et Bend Studio, est toujours d'actualité. Ce à quoi Jason Schreier répond oui. Du coup, on sait que Bend Studio et Naughty Dog sont bel et bien en train de collaborer ensemble, mais pas sur un nouvel Uncharted, mais bien sur un jeu multijoueur. Et on peut se douter qu'il s'agit du multijoueur de The Last of Us Partie 2, étant donné que Bend Studio connaît bien le post-apocalypse avec Days Gone et que Naughty Dog travaille sur un multijoueur de The Last of Us Partie 2, cela pourrait totalement coïncider. Pour ce qui est d'Uncharted, malheureusement, cela fait déjà plusieurs années qu'il y a des rumeurs autour d'un Uncharted 5 qui serait développé par un petit studio avec l'aide de Naughty Dog. On l'a appris il y a quelques heures, l'idée d'un reboot d'Uncharted Drake's Fortune a été dans les cartons. Et là maintenant, on se pose vraiment la question à savoir si oui ou non il y a un projet autour d'Uncharted. Mais en tout cas, cela bouge beaucoup autour de Naughty Dog et on devrait très certainement avoir la réponse à nos questions assez prochainement. Pour cela, n'hésitez pas à suivre Naughty Dog Mag sur notre site, sur notre compte Instagram, nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, pour être certain de ne rien rater de l'actualité des jeux et du studio Naughty Dog. Sur cela, on n'oublie pas un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se dit à très très vite. Salut à tous!